La France a la vocation à soutenir tous les combats qui relèvent justement du combat des droits de l'homme. Donc celui-ci, il en fait partie évidemment, et j'ai le sentiment qu'ils font preuve de beaucoup de persévérance et d'abnégation justement pour porter ce combat. Donc c'est une bonne chose de voir qu'ils ne désarment pas et qu'ils continuent. Je pense que c'est absolument inacceptable, que c'est absolument horrible, contraire à tous nos principes humanitaires. J'ai eu l'impression de ne pas être au 21e siècle. Je trouve ça assez choquant qu'il y ait encore des pratiques comme ça. Mais déjà, je pense qu'il faudrait beaucoup d'informations pour que tout le monde soit au courant et montrer le soutien. Et ça me touche énormément que ces personnes-là puissent être opprimées, qu'il faut en parler, qu'il faut l'évoquer. Ce qui nous touche beaucoup, nous, ici en France, par rapport aux droits de l'homme, on voudrait qu'on n'entende plus ce type d'action et d'oppression, que ça n'existe plus.